Tu l'as fait tomber, t'as craché dessus, toi qui l'as. Tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Salut l'équipe, c'est Mikala. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous faire une petite annonce. Je vais vous sortir prochainement une nouvelle mixtape composée de 5 musiques qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, etc. d'ici fin mai. D'ailleurs, si vous voulez connaître la date de sortie exacte et que vous voulez avoir quelques exclus, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram, MikalaHMP3. Sinon, je tenais juste à préciser que c'est pas quelque chose que j'ai fait pour rigoler. C'est un projet très sérieux qui a rien à voir avec mes vidéos ou même avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et même par rapport à mes précédentes musiques. Donc voilà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, dans lequel je me suis énormément investi et j'ai pu être vraiment moi-même. Donc merci sincèrement à tous ceux qui seront là pour soutenir et donner de la force au moment venu. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous passe juste un petit teaser et après je vous laisse avec la vidéo que vous êtes venu voir. Besoin de me situer, je m'interroge et ça m'effraie. T'aimes-t-il pour ce que tu es ou bien pour ce que tu fais? Eh, pose-toi les bonnes questions si tu veux les bonnes réponses. Trop souvent je me questionne, ça fait mal quand j'y repense. J'avais des pensées qui parfois me dépassaient. Je me suis dépensé pour fuir ce qui s'est passé. J'ai dû me devancer pour sans cesse rester sensé. J'ai dû me dispenser de sentiments pour avancer. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement piéger un escroc sur le bon coin. Alors je vous explique, c'est très simple. Il y a tout simplement un abonné qui nous a contacté, nous disant s'être fait arnaquer par un escroc sur le bon coin. Voilà, un espèce de revendeur de GoPro de contrefaçon. Donc, bien sûr, on a vérifié. Il nous a apporté toutes les preuves, etc. Voilà, il nous a bien certifié que c'était un escroc, donc voilà, on en était sûr. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement contacté ce revendeur, je lui ai donné rendez-vous et je suis allé le piéger comme d'habitude. Et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes, vous savez, c'est totalement gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Voilà, faites toujours attention à vous quand vous faites ce genre d'affaires. Bien évidemment, sur ce genre de site, il n'y a pas que des personnes malhonnêtes, hein, y a même beaucoup plus de personnes honnêtes. Mais comme partout, il y a des mauvaises personnes. Donc informez-vous toujours avant d'acheter ou de vendre quelque chose et privilégiez toujours des rendez-vous dans des lieu public où il y a du monde autour. D'ailleurs, au passage, si vous l'avez pas encore vu, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo où je piégeais un escroc sur Vinted. Donc, si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai en description. Vous allez la voir bien sûr après cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont donné de la force. Enfin, bref, je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse directement avec le contenu de la vidéo. Oh, gros. Attends, viens. C'est toi pour la GoPro? Ouais, viens. C'est bon, vas-y, viens. Mais non, mais viens, mes frères. Viens. Viens, attends, bouge pas. Baisse-toi. Ah. C'est bon. Non, ça va. Ah, ça va, tranquille. Frère, c'est toi pour la GoPro? Oui, c'est moi. Ah, ça va. J'ai sauvé la vie, frère. Il y avait une espèce de mouette qui allait t'attaquer, on dirait. C'est bon, je l'ai fait partir. Je vais partir, c'est bon. Vous êtes bizarre, en plus, vous m'avez isolé comme ça, là. Non, ça va, tranquille, mais enchanté. Ça va? Bien la famille, tout ça? Ah, gros. Tu peur comme ça, là? Non, je te fais pas peur. Je t'ai dit, elle a une mouette qui allait t'attaquer. Y'a pas de mouette ici. Vous allez bien, vous voulez dire que vous allez bien? Ouais, je vais bien, je voulais juste t'aider, ça va, tranquille, je t'ai pas touché, t'as vu, je t'ai dit baisse-toi et tout, genre, bon travail d'équipe, franchement. Moi j'ai peur. Non, c'est bon, allez, pas. Passons. Tranquille, ouais, c'est pour la GoPro. Du coup, c'est ça. La GoPro, elle est là. Et du coup, alors, cette fameuse GoPro, pourquoi je veux pas te voyer, parce que, genre, quand même, tu vois, y a un minimum, mais pourquoi tu la vends, la GoPro? Je me respecte un minimum aussi. Hein. Attends. Vous allez bien? Attends, c'est bon, vas-y, je suis un peu KO et tout, tu vois, gros, je suis un peu... Vous voulez vous asseoir? Dans des... Mais mon perturbateur, tu vois, gros, je suis un peu... Ah, ça va, viens, tranquille, gros. C'est bon, ça va. En plus, votre tête aime bien un peu quelque chose, hein. Comment ça? Je sais pas, il me semble vous avoir vu quelque part. Non, c'est pas possible, gros, moi, je suis un mec, tu vois, tu me vois, demain, tu me revois, genre, tu dis, ouais, mais je l'ai jamais vu, ce mec. Passons, je suis venu pour vendre la GoPro, donc là, voilà, vous avez demandé. C'est bon, pour la GoPro, ok, pas de soucis, on va faire les affaires. Ouais, j'ai les sous, t'inquiète. Y'a pas de soucis, oui. Oui, gros, ah, gros, tu me fais pas confiance. Mais s'il vous plaît, vous voyez, moi, c'est gros. Vous rigolez, mais attends, frère. Gros, c'est une expression, tu vois. Mais c'est peut-être une expression, moi, je suis pas venu ici pour faire ami avec vous, en fait. T'as vu, moi, je suis pas gros, mais tu peux me dire gros, tu vois. Non, moi, je vous respecte, je vous vois. Sinon, je peux te dire mince, ou genre comme. Passons, vous êtes venu pour la GoPro. Moi, je suis pas grossophobe, hein. C'est bon, je m'en fous. C'est bon. Vous êtes venu pour ça? Ouais, c'est bon. Ne racontez pas votre vie, s'il vous plaît. Vas-y, pas de soucis, gros. Mais tranquille, tu vois, je suis un peu... J'ai cru voir. T'inquiète, gros. J'ai un peu consommé, tu vois. Du coup, là, je m'en fous. Moi, je suis pas la police. Hein. Du coup, je suis un peu dans un état, genre, paranormal, tu vois. Mais là, vous faites un peu peur. En plus de l'endroit isolé, là... Non, c'est bon. C'est bon, gros, vas-y, genre. C'est bon, vas-y, c'est bon. Arrêtez votre cinéma. Qu'est-ce que vous faites? C'est bon. Je me reprends. Ok. T'es venu pour la GoPro, c'est ça? Je suis venu pour la GoPro. Ok. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Okay.
c'est pour la GoPro. Exactement, voilà. Sinon, on pourrait aller se boire un verre ou quoi, tu vois. Enfin, ça, c'est... Parlons juste de la GoPro. Ouais. J'ai juste venu vendre ma GoPro. Juste de la GoPro, pas de soucis. Donc, en gros, combien tu me la vends, cette GoPro? 200 euros, on avait dit. 200 euros. On avait convenu du prix, je vous ai dit, vous venez avec l'argent, je viens avec la GoPro. Vous m'avez confirmé le lieu, l'adresse, l'heure. Ok, ok. Alors, est-ce que tu l'as avec toi déjà? Oui, je l'ai, je vous l'ai montré au début. Vous vous rappelez pas quand vous étiez en train de rigoler? Je t'ai dit, gros, je suis un peu. Ok. En passant. Ouais, la GoPro. Ok, elle est belle, hein. C'est une GoPro, vous avez vu les photos sur le bon coin, elle a pas changé. Ouais. Elle a un côté un peu genre séduisant, tu vois, je sais pas si. Vous êtes vraiment bizarre, monsieur. Hein. Non, mais non. Vous êtes venu pour la GoPro ou pour jouer au clown? Non, c'est bon, je suis venu pour la GoPro. Bon, vas-y, je t'explique. Moi, si j'achète de la GoPro, c'est parce qu'en fait, je fais des compétitions de trottinettes. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Non, mais. J'avais juste quelques questions. Toi, tu t'en servais pour quoi à la base? Moi, je faisais de la plongée. Des sports un peu extrêmes. La caméra, du coup, elle allait bien sous l'eau. Elle allait bien sous l'eau, elle avait une coque étanche. J'ai pas ramené la coque étanche parce que vous m'avez pas demandé. Elle était pas convenue dans le prix. Ok. Mais voilà. Ok. Et du coup, alors, la question que j'avais, c'est. Alors, moi, je t'explique, tu vois, juste. On peut se parler entre connaisseurs de GoPro, etc. Moi, je l'achète pour faire des compétitions de trottinette, comme je t'ai dit. Et donc, en fait, j'avais des questions par rapport à la résistance, tu vois, parce que souvent, on est amené à faire des chocs et tout. Dans la trottinette, tu vois. C'est un milieu. C'est un sport extrême, tu vois, c'est un milieu très, très violent, tu vois. Et du coup, je voulais savoir si elle allait résister au choc que j'allais pouvoir lui faire subir, tout simplement. Elle résiste à tout type de choc, c'est une caméra qui est fait exprès. Ouais. Jusqu'à combien de kilomètres heure, en fait? Je peux pas savoir, mais... Parce que moi, souvent... En trottinette, on va pas très, très vite. Hein. En fait, genre, ça m'est déjà arrivé, tu vois, j'ai déjà eu plusieurs GoPro, c'est pas la première que j'achète. Oui. Et du coup, j'ai souvent eu des problèmes, mais j'ai vu que comme c'était le dernier modèle et tout, je me suis dit que peut-être c'était un peu différent. Moi, la dernière fois, tu vois, j'étais sur un ride. J'ai fait double backflip, triple rock flip, c'est un truc. Je connais pas les termes exacts, mais ouais. Je vous crois, monsieur. Avec subordination du cardinal droit. D'accord. Et retour du flip gauche, tu vois. Ça rien de tout m'expliquer, je ne connais pas. J'étais à peu près dans les 70-80 km/h. Non, vous foutez de ma gueule. Non, vous foutez de ma gueule. Non, je viens vous foutre de ma gueule. Non. J'étais à peu près dans les 70-80 km/h en montée. C'est impossible. Arrêtez de me prendre pour un con. Et tu vois, j'ai foncé dans un mur. Pof, tu vois, je me suis étalé contre le mur. Bon, t'as vu, moi je suis un peu solide, je fais un peu de sport. Parce que c'est peut-être comme ça que vous avez des problèmes mentaux. Hein. Et tu vois, j'ai tapé dans le mur et la GoPro elle a explosé en mille morceaux. Donc c'est pour savoir si celle-là elle allait résister, tu vois. Ah, oui, celle-là elle résiste jusqu'à 90 km à l'heure, on m'a dit. Ok, donc, d'accord. Et sinon, autre question, dernière, après on pourra passer à la vente et tout, comme convenu, pas de soucis. Genre, est-ce que la GoPro elle résiste bien à l'eau? Elle résiste à tout, mais là elle a pas sa coque pour les soucis. Ok, parce que moi, t'as vu, des fois je prends des bains chez moi. Oui. Et je fais des trucs après, c'est votre vie privée, c'est votre vie privée. Ouais, ouais. Moi, je vous la vends, vous faites ce que vous voulez avec. Ok, non, mais t'as vu. Je veux pas savoir tous les détails. Bah, des fois. Tout à l'heure, là, vous êtes en train de me saouler. Non, c'est bon. Voilà. Vous me rendez fou, vous me rendez barjot. Calme-toi, gros. Arrêtez maintenant. Non, mais t'as vu, des fois, je la prends et je prends des bains avec. Vous faites ce que vous voulez. Vous pourrez faire ce que vous voulez une fois qu'elle est à vous. Et moi, je fais des trucs. Non, mais je t'explique. Moi, je fais des trucs un peu bizarres dans le bain. Du coup, je voulais savoir si elle résistait. Arrêtez! C'est bon, du calme. Vous me racontez votre vie, je m'en fous, je vous dis gentiment. C'est bon, je peux voir l'objet? Regardez-le, l'objet. Oh merde. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, mec. Ah, franchement, je suis désolé. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va, tranquille. Bah, tu vous avez les sous, là. Ouais, j'ai les sous, tu m'as dit ça résiste. Donnez-moi les sous. Ouais, hey, attends, 30 secondes, je peux l'essayer. Je vais l'essayer, vous la faites tomber. Vas-y, ça résiste au choc. Elle résiste au choc avec sa coque anti-choc. Ah, mais je sais pas, gros, mais de toute façon, moi là. Putain! De quoi? Reste tranquille, c'est bon. C'est pas grave, vas-y, je peux regarder. Vous arrêtez de la regarder, vous l'avez déjà cassé ici. Mais je vais te l'acheter, de toute façon, j'ai les sous. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr? Vas-y, fais voir. Si je sens une entourloupe, j'appelle la police de suite. Hein. Non, c'est bon, pas la police, gros, on va pas commencer. J'appelle la police. Non, vas-y, fais voir. Faites voir. Vas-y, passe. Oh! Quoi? Arrêtez de me donner des ordres. Je te donne pas d'ordre, gros. Je vais voir pour l'acheter. Tu comprends? Vous avez intérêt à avoir les sous. Oui, j'ai les sous. Et genre, c'est normal, ça s'allume pas en fait là? Quoi, elle s'allume plus? Tu l'as cassé? Qu'est-ce que tu fais, gros? Elle s'allume plus la GoPro là. Tu viens de la faire tomber! Mais c'est t'es con ou quoi? Tu m'as dit que ça résistait au choc. Ça résiste au choc avec une coque, espèce de con. Mais comment on fait là maintenant? Elle s'allume plus. Comment on fait? Tu l'as jeté à les sous là? Attends, je vais payer pour une caméra qui s'allume pas. Tu viens de la faire tomber! C'est pas moi qui l'ai fait tomber, c'est le vent. Je l'ai mis en équilibre, elle est tombée. C'est. Mais t'es vraiment con, toi. Hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais quoi? Tu m'emmènes dans un endroit isolé, tu me fais des actions bizarres depuis tout à l'heure, moi je vais appeler la police, moi. Pourquoi? Je vais appeler la police. Mais pourquoi? Depuis tout à l'heure, tu me casses les couilles, tu casses ma caméra, je vais appeler la c'est police. C'est pas moi, t'es cassé ta caméra. J'espère que tu vas me donner les sous. Hein. Tu l'as chargée au moins? Oui, elle était chargée.
Pourquoi elle s'allume plus? Parce que tu l'as fait tomber. Genre elle tombe juste de ça, tu me dis ouais ça résiste, je sais pas quoi, c'est du merde. Est-ce qu'elle avait sa coque? Je t'ai dit quand elle a sa coque. Et elle est où sa coque? Elle est chez moi sa coque, elle était pas sur l'annonce. Mais gros, je comprends pas. Bon vas-y, tu sais quoi, c'est pas. Tu penses que je peux la. Au pire, voilà, je l'achète, tu vois, et je vais la faire réparer ou quoi? Y'a intérêt que tu me l'achètes. Vas-y, passe, fais voir, je regarde un truc, fais voir, je veux vérifier, t'as vu? Gros, c'est... tu l'as acheté sur Rouille, je crois. Oh! Maintenant, donne-moi mes sous! Donne-moi mes sous, j'appelle la police! Mais comment ça? Allez, j'appelle la police. Pourquoi? J'appelle la police de suite. Mais quelle police, gros? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y, je vais te l'acheter, je vais te l'acheter. T'as les sous? Oui, oui. Oui, j'ai les sous. Sors les sous. Attends, vas-y. Branche ton téléphone. Juste avant, je te le redis, me donne pas d'ordre. C'est bon. Tranquille, je vais juste te poser une question. Tu m'as dit qu'elle résistait à l'eau. Oh, c'est ça? Oui, elle résiste à l'eau, j'ai fait de la plongée sous-marine avec. Ok, donc vas-y, juste recule un tout petit peu. C'est bon, je suis là, en face de toi. Juste recule un tout petit peu. Mets-toi à ce niveau-là. Je vais tester un petit truc. Tu vois. Tu veux essayer quoi encore? Rien, tu m'as dit ça résistait à l'eau. Oui, ça résiste à l'eau. Bon, j'imagine. Imagine, t'as pas d'eau ou quoi sur toi. Mais non, j'ai pas d'eau. Qu'est-ce que je vais me travailler avec de l'eau? Ok, on va tester un truc. On bouge pas. Oh ah, voilà, c'est bon, gros. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, gros. Attention. Attention, gros. Attention. Oh, attention. Attention, gros. C'est bon, pose ton bâton. Pourquoi? C'est bon, recule. 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 Recule, gros. Recule, j'ai la GoPro. Comment ça? C'est bon. C'est bon, du calme, gros. Oh, gros. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, mec. Ah, c'est bon. Je vais te l'acheter. Sors les sous. Je vais te l'acheter. Donne-moi les sous. Je vais te les donner, les sous. C'est bon, on se calme. Gros, détends-toi, c'est bon. Détends, mais détends, je vais te tuer. Ah, attends, je juste. Tu craches ma GoPro? Est-ce que t'as la facture de la GoPro? Je veux vraiment que je te fracture la tête, c'est ça que je veux. Quoi? Tu fais des jeux de mots et tout, gros. Détends, tu me casses les couilles. C'est bon, vas-y. Tranquille. Ça sert à quoi, mec? Oh, le oh gros, se lancer. Je vais C'est bon. Comment me sous? Bon, écoute, gros, maintenant on fait comment? Tu vas me donner mes sous, t'as cassé ma GoPro! Non, on fait comment, je t'explique là? Parce que là, tu viens avec une GoPro, elle s'allume pas et. Tu l'as fait tomber, t'as craché dessus, c'est toi qui l'as. Tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Recule, c'est bon. Calme-toi. Sors les sous! Calme-toi. Là, on est en train de trouver un arrangement. Je suis en train de te dire que. GoPro. L'arrangement, il y en a recule, pas! Recule, tu vas me donner les sous! Recule! Ok? Oh mec! Tu sais très bien que c'est une fausse GoPro. T'as essayé de la refourguer à des gens, t'as essayé d'arnaquer des gens, tu sais très bien que c'est une fausse GoPro. T'es là? Tu vends ça? Elle est où la facture? Y'en a pas. Elle est où? Est-ce que t'as une preuve que c'est une vraie? Non, j'en ai pas, mais. Ouais, c'est une fausse alors. Tu vas me donner mes sous maintenant. C'est une fausse. Tu l'as cassé, tu m'as fait déplacer, tu me casses les couilles, tu vas me donner mes 200 euros là. Mais gros, t'achètes ça combien? Je m'en fous, j'achète ça combien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça quoi? T'arnaques des gens comme ça, franchement. T'en as, ils travaillent et tout, tu leur fais dépenser des 200 euros pour des fausses GoPro qui ça va pas. Tu vas me donner mes sous maintenant. Sinon ça va mal passer, je te dis. Ok, vas-y, tu sais quoi, on va faire un truc. On va faire quoi? On va faire un truc, regarde. Voilà. Ta GoPro. Regarde ce que j'en fais, ta GoPro. Qu'est-ce que tu fais? Recule. Attends, je t'explique, gros. Ta GoPro, c'est une fausse. Je vais pas te donner les sous pour une fausse GoPro. Tu l'as. Tu vas me donner les sous, tu l'as cassé là. Pourquoi je te donnerais tes sous? Pourquoi tu me donnerais mes sous? Pourquoi je te donnerais tes sous? Tu vas faire quoi si je ne fais pas tes sous? J'ai pas tes sous. Bon, l'équipe, malheureusement, je vais devoir censurer la vidéo à cet instant. Ne vous inquiétez pas, il m'est rien arrivé de grave, tout s'est bien terminé pour moi. Voilà, sinon, je vous rappelle que ma mixtape artiste sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, iTunes, Spotify, Deezer, etc. d'ici fin mai. Merci à tous ceux qui seront présents au moment venu. Sur ce, c'était Mikalash et je vous dis à très bientôt. Besoin de me situer, je m'interroge et ça m'effraie. T'aimes-t-il pour ce que tu es ou bien pour ce que tu fais? Eh, pose-toi les bonnes questions, si tu veux les bonnes réponses. Trop souvent je me questionne, ça fait mal quand j'y repense. J'avais des pensées qui parfois me dépassaient. Je me suis dépensé pour fuir ce qui s'est passé. J'ai dû me devancer pour sans cesse, et c'est censé. J'ai dû me dispenser de sentiments pour avancer.